Bienvenue dans Mille et une cultures, votre émission sur la diversité culturelle. On continue à recevoir les candidats aux élections municipales. Avec nous aujourd'hui, le candidat de l'administration d'Emers, M. Stéphane Boyer. Bonjour M. Boyer. Bonjour, vous allez bien? Oui, super, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Un plaisir partagé. Voilà, alors M. Boyer, vous avez été pendant plusieurs années conseiller municipal du mouvement Lavallois, très, très proche de M. Demers, le bras droit, disons, de M. Demers, et vous avez pris le relais quand il a décidé de ne pas se représenter. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce qu'il faut retenir de vous? Moi, je le sais que vous n'êtes pas un novice en politique, oui. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est qui Stéphane Boyer? Peut-être en quelques mots, Stéphane Boyer, c'est qui? En fait, c'est un petit gars de Laval. J'ai grandi à Laval, j'ai passé toute ma vie ici. J'ai aussi beaucoup voyagé. J'ai passé environ 3 ans à travailler à l'international avant de m'impliquer en politique. Je suis aujourd'hui impliqué en politique, en fait, depuis officiellement comme conseiller municipal depuis 2013, donc depuis 8 ans. Donc, comme plusieurs autres, lorsqu'il y a eu les scandales de corruption à Laval à l'époque avec M. Vancourt, je regardais ce qui se passait dans ma ville, puis je me suis dit non, ça ne peut pas aller comme ça. Il faut que je m'implique, il faut que les choses changent. Donc, j'ai commencé à m'impliquer à l'époque et j'ai été élu en 2013 là, avec l'équipe de M. Demers, le mouvement Lavallois. Et depuis quelques années, je vous dirais, je suis également vice-président du comité exécutif. Je m'occupe, entre autres, des dossiers du développement économique et des finances publiques. Et je remplace le maire là, en son absence. Voilà. Donc, une belle expérience quand même en développement économique. Et vous n'êtes pas un novice, mais vous êtes jeune. Très jeune, puis on regarde les affiches du mouvement Lavallois. C'est l'équipe d'expérience. Oui, et absolument. Le candidat d'expérience, hein? De quelle expérience on parle? Oui, bien, je vous dirais, je pense que d'une part, ce qui fait la compétence de quelqu'un, c'est pas son âge, pas son couleur, sa couleur, c'est pas son sexe. Je suis jeune, c'est vrai. J'aurais tendance à rappeler aux gens que les deux premiers maires dans l'histoire de Laval étaient eux aussi dans la trentaine. Donc, c'est pas nouveau non plus. Et ben après 8 ans en politique à Laval, j'ai fait plusieurs postes. J'ai été aussi président de la commission de l'environnement pour le Grand Montréal. Donc, j'ai eu plusieurs dossiers au fil des 8 dernières années, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je connais extrêmement bien la ville, les dossiers, les employés, comment ça fonctionne. Donc, c'est jeune, mais jeune avec l'expérience. Donc, une équipe d'expérience, mais est-ce qu'elle est encore là? Parce qu'on sait que deux partis d'opposition sont issus des flancs du mouvement Lavallois. Donc, il y a des conseillers qui sont partis puis qui ont créé d'autres partis. Vous, votre équipe actuellement, est-ce qu'elle a cette expérience que vous mettez en avant? Absolument. C'est d'ailleurs une de mes plus grandes fiertés, c'est notre équipe. On a une équipe qui est expérimentée, qui est renouvelée, qui est paritaire, une équipe qui est diversifiée. Donc, la moitié de l'équipe du mouvement Lavallois actuellement sont des élus à Laval, connaissent la ville, connaissent les dossiers. On a aussi une dizaine de nouveaux candidats, candidates qui amènent des nouvelles idées, qui amènent de l'eau au moulin, un regard neuf. Et on a une équipe qui est, comme je disais, le paritaire, moitié homme, moitié femme, et dont la moitié de notre équipe aussi est issue de la diversité culturelle et représente la mosaïque culturelle qu'est Laval aujourd'hui. Oui, une équipe très, très diversifiée, c'est une de vos forces, l'expérience dont vous parlez. Mais est-ce qu'il n'y a pas un défi derrière tout ça, en fait, le défi de convaincre les gens avec des nouvelles affiches, hein, des nouvelles têtes d'affiches? C'est sûr que c'est toujours un défi pour quelqu'un qui est nouveau en politique, peu importe le palier, peu importe la campagne, c'est toujours un défi d'apprendre à se faire connaître. Mais la campagne, elle est là. On fait du porte-à-porte depuis déjà plusieurs mois, on est sur le terrain, on est très actif. Le but, c'est d'une part de rencontrer les citoyens, voir c'est quoi les enjeux qui les préoccupent, apprendre à les connaître parce qu'on veut les représenter. Mais c'est aussi de se faire connaître nous en tant qu'individus, on est qui. Et je vous dirais, des fois, en politique, on regarde beaucoup c'est quoi les plateformes, qu'est-ce que les partis proposent, puis c'est bien. Mais au-delà de la plateforme, ce qui est encore plus important, c'est la personnalité. D'accord. Est-ce que je vote pour quelqu'un qui s'en va là pour avoir le spotlight, pour avoir le pouvoir ou un titre, ou je vote
pour quelqu'un qui est intègre, qui est là pour les bonnes raisons. Et donc, la personnalité des gens est, à mon sens, très importante. Mm-hmm. Si on ne le voit pas sur une affiche, évidemment. Mm-hmm. D'où l'importance de pouvoir rencontrer les gens en personne. Donc, on multiplie, évidemment, là, notre présence sur le terrain. Mm-hmm. C'est sûr que la pandémie fait en sorte qu'il y a moins d'événements. Exactement. Ça rajoute un élément un peu plus complexe pour tout le monde, pour tous les partis, pour tout le monde qui se présente en ce moment. D'accord. On prend les opportunités qui passent. Voilà. Vous avez évoqué tout à l'heure la plateforme, mais avant d'arriver à la plateforme, on va faire quand même le bilan. Donc, vous étiez l'équipe au pouvoir. Êtes-vous fier aujourd'hui de votre bilan? Qu'est-ce que vous présentez aux Lavallois qui ferait qu'ils devraient continuer à vous faire confiance? Oui, absolument. Je pense que Laval a fait des pas de géant. Si on regarde où était Laval il y a quelques années, on le sait, on sortait de la tutelle, il y avait eu plusieurs cas de corruption. Des fois, une chose que les gens savent moins, c'est que quand on est rentré en place, les 14 plus hauts fonctionnaires de la ville avaient quitté leurs fonctions. Et donc, on a pris le contrôle d'une ville qui était un peu... qui n'avait pas été modernisée au fil des années. On avait beaucoup d'infrastructures, des plateaux sportifs. Les routes avaient été peu entretenues. Il n'y avait pas de plan d'entretien rigoureux. Mm-hmm. Donc, dans les dernières années, on a fait des pas de géant pour mettre à niveau nos infrastructures sportives, les rénover, réinjecter des sommes, moderniser la façon que la ville fonctionne, moderniser la façon qu'on communique avec les citoyens. Par exemple, en matière d'environnement aussi, on a passé de 3 % du territoire protégé à 12 %. Donc, on a multiplié par 4 les espaces protégés. Mm-hmm. Donc, il y a des grands bons qui ont été faits. On a récupéré 50 millions de la corruption également. Donc, il y a des très belles avancées qui ont été faites. Et moi, ce que j'espère, c'est de construire là-dessus. On a, je crois, aujourd'hui, construit une fondation qui est solide. Et là, les années à venir, bien, c'est le temps de faire construire le reste de la maison, donc venir embellir ça. Je donne un exemple. On a acquis beaucoup de terrain pour les protéger. Bien, la prochaine étape, ça va être de les rendre accessibles aux citoyens, d'aménager des sentiers, mettre des toilettes, les rendre accessibles. Là, donc, il reste beaucoup à faire, mais je vous dirais, on a mis les fondations qui sont là pour l'avenir. Voilà. Parlant des fondations, j'ai eu l'opportunité d'avoir les partis d'opposition avant de vous recevoir, deux des partis d'opposition. Ce qui est revenu, c'est malgré l'état des finances de la ville très stable, la bonne cote de Ville de Laval, les taxes ne sont pas gelées. Fait qu'eux proposent de geler les taxes. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous parle d'abord? Ensuite, ils parlent beaucoup de la lourdeur administrative de la ville. Donc, est-ce que c'est un constat que vous faites aussi, puis c'est des choses à améliorer, ou vous pensez que vous êtes dans la bonne voie? Oui. Je vous dirais, c'est toujours tentant de promettre le beurre et l'argent du beurre. De dire on va donner plus de services, construire plus d'infrastructures, puis on va moins taxer. Dans les faits, c'est souvent irréaliste. Je pense surtout quand on est dans l'opposition, dans une position où est-ce que c'est facile de s'engager sur plein de choses. Moi, après 8 ans à avoir gouverné la ville, je suis conscient de la réalité. Il y a un pragmatisme qui s'implante. Les taxes, la ville, comme n'importe quel citoyen ou entreprise, a une inflation de ses locaux, de ses baux, des biens qu'ils achètent. Mm-hmm. On a des conventions collectives à respecter qui font en sorte que les salaires sont indexés au fil des ans. Donc, même en gelant les taxes, les dépenses de la ville augmentent. Mm-hmm. Donc, il y a une réalité qui... En fait, on doit être réaliste puis pragmatique. Ce que je peux vous dire, par contre, Laval est une des villes les moins taxées parmi les 10 grandes villes du Québec. De mémoire, l'avant-dernière, moins taxée. Donc, il y a une très bonne gestion des finances publiques à ce niveau-là. Et donc, la première question, c'était sur les taxes. Oui, c'était sur l'administration. L'administration, les gens trouvent qu'il y a beaucoup de lourdeur administrative, qu'en fait, même le 3-1-1 n'est peut-être pas une si belle initiative que ça, parce que ça prend... c'est plus compliqué, il y a beaucoup plus de formulaires, beaucoup plus d'étapes. Oui, oui. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Pour moi, qui a un esprit plutôt entrepreneur, les choses vont jamais assez vite. c'est certain que je pense que la ville doit être le plus agile possible, la plus rapide possible. Mm-hmm. Est-ce que les choses sont parfaites? Non. Cela étant dit, il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées. Mm-hmm. Ça reste que les gouvernements, peu importe le palier de gouvernement, peu importe la ville, ça reste des grandes organisations, ça reste des gros bateaux qui sont souvent longs à faire changer de cap. Mais la ville de Laval a quand même une position extrêmement avantageuse. Au Québec, il y a des petites municipalités qui n'ont malheureusement pas les ressources ni en termes de personnel ou de budget pour réaliser des projets comme créer des nouveaux parcs, de nouvelles infrastructures. Et il y a d'autres villes comme Montréal qui sont
embourbé avec une immense administration publique de 28 000 employés qui sont divisés parmi plein d'arrondissements, ou est-ce que c'est toujours difficile de faire avancer les choses? Mmh. Laval, on est dans un bel entre-deux. On n'a pas la lourdeur administrative de Montréal et on a les ressources nécessaires, autant en termes d'expertise, d'employés que budgétaires, si on veut faire des projets pour l'avenir. Voilà. Parlant de projets et donc de votre plateforme, qu'est-ce que vous proposez aux Lavallois pour les 4 prochaines années? On a plusieurs engagements. Je vous dirais que notre plateforme tourne autour de 4 orientations, mm-hmm. donc 4 piliers. Premièrement, on veut une ville où il y a des services de qualité dans les quartiers. Mm-hmm. Donc, la première chose qu'un citoyen est en droit de s'attendre, c'est des bons services de la ville. On veut que quand on appelle au 3-1, que ça réponde rapidement, que le déneigement soit bien fait, que les rues, que les parcs soient bien entretenus, qu'ils soient accessibles. Donc, on veut continuer à bonifier les services de base. Ensuite, on veut faire des gestes ambitieux pour l'environnement. L'environnement est, selon moi, l'enjeu du 21e siècle. On a beaucoup parlé de la pandémie ces derniers temps, mais l'environnement reste le principal enjeu, à mon avis. Mm-hmm. Et donc, on veut faire des gestes ambitieux en ce sens-là. On veut également avoir une ville qui est solidaire, qui est sécuritaire. Ça se voit dans le recrutement. Vous avez été chercher Alexandre Voirnet. Vous avez aussi des candidats très impliqués au niveau des mouvements féministes et des Absolument. J'ai moi-même travaillé dans le milieu communautaire. On a mm-hmm. plusieurs candidats, candidates qui l'ont fait également, qui viennent de ce milieu-là. Mm-hmm. Et ce qu'on a vu dans la pandémie, c'est entre autres des popotes roulantes ou des banques alimentaires, avoir des files d'attente qui faisaient plusieurs coins de rue. Mm-hmm. Donc, on sait que la population a été branlée. Il y a eu beaucoup d'isolement social. Donc, il faut rebâtir ce tissu social-là. Donc, on va vouloir avoir définitivement un angle social mm-hmm. et un angle sécurité aussi public dans les quartiers. Et le quatrième angle, bien, on veut une ville qui est prospère et qui est attrayante. L'économie de Laval va très bien. On doit préserver ces acquis-là. On ne doit pas prendre ça pour acquis. Et une ville attrayante, on le sait, là, il y a des boulevards des Laurentides, Curé-Labelle. Il y a certains boulevards à Laval qui pourraient, en fait, qui nécessitent plus d'amour, qu'on souhaite embellir. Donc, on veut faire des projets dans ce sens-là. Voilà. Donc, on va prendre une petite pause, puis on va revenir parler de votre plateforme, de ces projets d'embellissement. Puis, bien entendu, on va parler de diversité. Voilà. En attendant, on cède la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode, Myriam Matondo. Myriam, on dit quoi? Octobre, mois des activités féministes pour un Laval féministe et inclusif, a été lancé par la TCLCF, la table de concertation de Laval en conditions féminines, le 22 septembre dernier. Pour clore ce mois, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter la série de podcasts produits par la table. Ce sont des conversations avec des invités et ont pour but de faire rayonner les pratiques et de parler des défis qui mobilisent le mouvement des femmes dans une perspective féministe et de discuter des enjeux qui touchent l'égalité entre les hommes et les femmes, mais aussi entre les femmes elles-mêmes. Intitulée « À cœur d'elles », la série de podcasts est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Les maisons de quartier sont des lieux de vie qui animent nos quartiers et apportent du soutien aux parents ainsi qu'à leurs enfants au sein de la communauté. Elles tiennent donc une place importante et gagnent à être connues et fréquentées. C'est le cas de la maison de quartier de Vimont qui, avec ses différents secteurs, offre une panoplie d'activités destinées aux 0 à 17 ans en lien avec la parentalité, la petite enfance, notamment avec leur garderie et différents ateliers comme la préparation à l'entrée en maternelle, la stimulation du langage, le secteur de l'enfance aussi et de l'adolescence. Donc visitez leur site web et leur page Facebook pour avoir leur programmation automnale. maisonquartiervimont.com. La Maison des Arts est en mode retrouvaille après de longs mois d'incertitude. Ses portes s'ouvrent à nouveau au public, notamment le jeune public, les familles, les écoles et les garderies, avec une programmation riche. Les 26 et 27 octobre aura lieu donc la pièce de théâtre clownesque « Don Quichua » à 10h, destinée aux enfants de 6 ans et plus, inspirée de Don Quichotte de la Manche, considéré au 20e siècle comme un chef-d'œuvre précurseur. Ce spectacle fonde ses assises sur le jeu clownesque, le théâtre d'objets et l'art de la marionnette.
En mode, je vous présente la tendance manucure de l'automne 2021, que ce soit avec des couleurs mates, pâles ou la transparence, les motifs mouchetés, floraux ou ondulés ou encore de la manucure française colorée. Exprimez votre joie de vivre et égayez l'automne à la fois avec audace et subtilité. Voilà, on retrouve notre invité, Stéphane Boyer, chef du mouvement Lavallois, le parti au pouvoir et qui est en train de chercher une réélection. Monsieur Boyer, vous vous présentez à la place de Monsieur Demers. J'imagine que vous avez quand même un mot pour votre chef qu'on attendait peut-être pour ces élections, puis pour des raisons personnelles ne s'est pas représenté. Et vous nous avez parlé d'embellissement dans votre plateforme. En quoi ça consisterait? Parce que moi, ça m'intéresse, j'habite sur des Laurentides. De quoi on parle? Oui. Une des choses qu'on souhaite faire, c'est pouvoir mettre à disposition certaines sommes qui permettraient, entre autres, aux commerçants de certaines affaires commerciales de se mobiliser pour proposer des projets. Mm-hmm. Des projets qui pourraient venir animer un quartier ou une artère commerciale, qui pourraient venir l'embellir. Donc, on voit à Montréal des initiatives, que ce soit sur Saint-Laurent, Sainte-Catherine, la rue Fleury à Antique, où il y a eu vraiment une revitalisation. Mm-hmm. La ville, ces dernières années, on fait beaucoup d'efforts à certains endroits pour acquérir des bâtiments qu'on démolit, qu'on crée, par exemple, entrée du Pont-Viau, un nouveau parc qui va être sur le point d'être en chantier. Mm-hmm. Donc, la ville, on fait des actions, mais on aimerait ça aller plus loin. On aimerait ça voir est-ce qu'on peut justement aider les commerçants qui souhaitent donner une ambiance particulière à une artère commerciale ou une rue principale, mm-hmm. Les aider financièrement là-dedans. On souhaite aussi voir est-ce qu'il n'y a pas des actions au-delà des grands projets d'infrastructure urbaine qui prennent de longues années à se mettre en place, s'il n'y a pas des actions rapides qu'on peut mettre de l'avant. Par exemple, Fleurir, Curie-Labelle, des Laurentides. Donc, c'est des actions comme ça là, qui, je crois, vont pouvoir changer le visage de Laval, puis mm-hmm. ajouter aussi une touche là, identitaire dans chacun, propre à chacun des quartiers. Voilà. Parlant du visage de Laval, parlant d'identitaire, Laval, c'est quand même une ville très diversifiée. On parle beaucoup de cette diversité ethno-culturelle qui fait que peut-être un tiers des Lavallois est issu d'une immigration récente ou deuxième ou troisième génération. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche, vous, beaucoup? Qu'est-ce que vous pensez de cette diversité? Comment vous l'appréhendez? Et dans votre plateforme, comment elle va être prise en charge, la gestion de la diversité? Bien, c'est une bonne question parce que Laval est rendue la deuxième terre d'accueil au Québec pour l'immigration. Nous sommes rendus une ville diversifiée sur le plan culturel. Mm-hmm. Et je crois que la ville, en tant qu'organisation, en tant qu'institution publique, doit être représentative. Mm-hmm. On a déjà, dans les derniers mois, années, fait plusieurs actions. Donc, on est en train de s'assurer que notre fonction publique, on a presque 4000 employés, que nos employés soient représentatifs de la diversité culturelle de Laval. On a aussi un projet, une démarche qu'on appelle Nouveau Regard mm-hmm. par rapport à notre service de police. Donc, présentement, on a un service de police très blanc, très masculin. On veut changer ça. On veut plus de femmes. On veut que nos policiers aussi soient représentatifs de la diversité culturelle de Laval. Mm-hmm. Un des défis qu'on a, par exemple, pour la police, c'est que la plupart des étudiants, nous, on recrute à la sortie de l'école, donc la plupart des gens qui suivent les programmes de formation présentement sont justement très peu diversifiés. D'accord. Donc, on va essayer d'emmener nos policiers dans les écoles, dès l'école secondaire, faire les tournées, parler du métier pour intéresser des jeunes à cette carrière-là, à ce métier-là. Mm. On va même aller jusqu'à offrir des bourses pour inciter des gens de diverses communautés de s'inscrire, de suivre la formation pour ensuite pouvoir les embaucher au service de police de Laval. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une relation à établir entre le service de police puis cette population diversifiée? Si on sait qu'il y a une certaine méfiance et il y a des enjeux de sécurité, mais il y a aussi des enjeux de profilage. Oui. Vous avez aussi évoqué la représentativité au niveau de la municipalité. On sait que Laval, comme beaucoup d'autres villes, ne rencontre pas les cibles en termes de recrutement. Le pourcentage qui est recommandé ou qui est visé par la plupart des villes, qu'est-ce que vous comptez faire pour que ça s'améliore? C'est pour ça qu'on a mis de l'avant déjà deux démarches, une au niveau de la ville, une au niveau de la police, mais il y a aussi d'autres initiatives qu'on met de l'avant.
Par exemple, on vient tout juste de signer une entente avec le groupe 3737 qui vise à faire la promotion de l'entrepreneuriat chez les communautés, entre autres, afro-américaines. Et donc, c'est, selon moi, la ville doit faire un effort. On est déjà en action là-dessus depuis un an. Mais au-delà de la ville, ça doit aussi être dans nos entreprises, dans nos organismes. Et donc, pour moi, ça, c'est une notion qui est très importante. On doit mettre de l'avant aussi là, faire la promotion du travail à la ville de Laval. Donc, ça, c'est déjà des actions que définitivement on va vouloir poursuivre dans les années à venir. OK. Donc, il y a en fait des incitations à l'embauche à mettre en place. Vous avez parlé du groupe 3737, puis de beaucoup d'initiatives qui sont mises en avant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger que Laval continue à être la banlieue de Montréal? Parce que moi, entrepreneur ethnoculturel, j'aime beaucoup le groupe 3737, mais il est montréalais. Est-ce qu'il n'y a pas une structure, il n'y a pas de structure lavalloise qui sont là, qui devraient être mis en avant? Je vous dirais, pour avoir rencontré plusieurs des gens qui travaillent à groupe 3737, il y en a plusieurs qui sont lavalloises. Oui, mais la structure est montréalaise. N'empêche, OK. Mais c'est la première fois qu'ils font une entente avec une ville. Et si le modèle fonctionne bien, ils aimeraient le reproduire ailleurs. Cela étant dit, vous demandiez, est-ce qu'il n'y a pas un risque que Laval reste juste une banlieue de Montréal? La banlieue, voilà. Que ce soit toujours des structures de Montréal qui viennent chercher quelque chose de Laval, mais l'inverse ne se fait pas. Vous savez que les structures de Laval ont de la difficulté à aller à Montréal puis à avoir l'appui de la ville de Montréal. Est-ce que la ville de Montréal, de Laval, ne devrait pas mettre l'accent sur les structures là-bas? Bien, absolument. Puis je pense qu'on a besoin de plus en plus d'écosystèmes lavallois. Moi, je l'ai vécu en tant que jeune, puis il y a beaucoup de jeunes qui vivent ça. On grandit à Laval, on va au secondaire. Quand vient le temps d'aller au cégep ou à l'université, beaucoup vont vers Montréal et commencent à s'impliquer à Montréal. Ils reviennent juste plus tard au moment d'avoir des enfants. C'est ça. On a démographiquement à Laval une tranche d'âge, les 18-35 ans, qu'on est déficitaire. Donc, je crois que c'est important à Laval, si on veut retenir nos jeunes, qu'ils y trouvent leur place. Puis ça passe entre autres par une scène culturelle vibrante, avoir des écosystèmes, des lieux d'engagement, d'implication. Et donc, il y a un déficit à plusieurs égards à ce niveau-là. Donc, nous, la ville, on essaie d'appuyer les gens qui vont démarrer justement des initiatives. On le voit entre autres dans le milieu culturel où il y a vraiment une belle effervescence en ce moment. On vient d'adopter un nouveau programme de financement, entre autres, pour des festivals, des choses comme ça. Je pense entre autres aussi à Tiers-Lieux, sur Saint-Martin. Une belle initiative. Le Collège Montmorency aussi. Collège Montmorency qui a des beaux projets aussi. Donc, c'est définitivement, s'il y a des initiatives lavalloises, ça me fait plaisir de les appuyer parce qu'on a besoin d'avoir plus de lieux d'engagement comme ça. Alors, M. Boyer, vous êtes confiant? Oui, je suis confiant, puis j'ai envie de faire partie du renouveau politique à Laval. À Laval. Le 7 novembre, vous êtes élu. Quelles sont les premières mesures que vous mettrez en place? Les premières mesures, ça va être définitivement de mettre l'avant notre plateforme, puis s'assurer qu'elle se réalise, rapidement. On croit aux mesures qu'on propose aux Lavallois, donc ça va donner la priorité. D'accord. Donc, toutes les mesures sont importantes pour vous. Ça doit être une énorme pression d'être en politique, puis de venir pour le renouvellement, de prendre la place de M. Demers pour amener le mouvement Lavallois plus loin. Qu'est-ce que vous faites pour décompresser, mettons, pour vous évader? Oui. je vous dirais, à la base, je suis quelqu'un de très social, quelqu'un de très curieux. J'aime sortir avec des amis, j'aime faire de la randonnée, faire du plein air. J'adore le voyage. Malheureusement, avec la pandémie, ça ne s'est pas passé souvent ces derniers temps. Mais non, j'aime me divertir, j'adore lire. Donc, j'aime avoir là, justement une vie quand même assez épanouie au-delà du travail. Voilà. Puis vous aimez, j'imagine, la musique et les arts plastiques. Absolument. Voilà, merci Stéphane. Nous allons d'ailleurs nous quitter sur un coup de cœur artistique, un coup de cœur choisi par notre chroniqueuse Myriam Matondo qui va vous le présenter. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec notre dernière candidate pour les élections municipales qui s'en viennent très bientôt. Le coup de cœur de la rédaction est une vidéo présentant les œuvres des artistes de Réminiscence, un collectif d'artistes lavallois.